Et bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve pour la suite. Edwin a donc entamé son voyage retour. Ouais. Voilà. Donc c'est bien. Il va pas mettre longtemps à rentrer, théoriquement, à ce qu'ils le disent là. Compte tenu, non. De retour, oui. Bon. Il va pas tarder. Hop, voilà. Tac. Ah bah. Ah non, c'est Edwin qui est parti, qui revient. Ah, donc moi, ce que j'aurais aimé, c'est quand même séparer les moutons des vaches. Mais là, c'est pas possible tant que ce trou n'est pas rebouché. Ah, je sais pas pourquoi ils le font pas. Mais c'est en train de me saouler. Il va quand même falloir qu'ils s'en occupent. J'ai l'impression qu'ils s'en fichent un peu. Pourquoi? Parce que ça fait partie de quoi? De la construction, de l'extraction? On est bien. Là, effectivement, il n'y a que du 5. Est-ce que Marie, je la passerai pas? J'ai pas spécialement envie qu'elle chasse en plus. Priorité très faible. Non, c'est bon. Non, mais je pense que c'est de la construction. Ah, je vais la mettre en. Comme ça, peut-être qu'elle va y aller un peu plus, je sais pas. En même temps, il y a beaucoup de choses à faire dans les autres priorités. Et pas assez de colons. L'affluence a-t-elle bougé? 33,9, non, pas encore. Bon, il bouge pas très très vite, Edwin. Bon, on l'attend patiemment. On va accélérer un peu, histoire qu'il arrive un jour. Allez, hop, hop, hop. Ça va être bientôt l'heure du coucher et il n'est pas arrivé. Il me semble qu'il a été plus vite pour y aller que pour rentrer, non? Je sais plus. Allez. Non, mais j'aurais bien voulu mettre mes moutons là, mais. Tant qu'il y a le trou, je peux pas, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va boire un coup. C'est pas possible, hein? Ils vont tous boire un coup. Hallucinant. Ah, tu vas te cochabourer. Bravo. Allez, 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 allez. Au lit. Villageois ou froid? Eh ben, c'est pas normal. Ce n'est point normal. Combien fait-il dans les chambres? Ah, il fait pas froid, eh. Ça, c'est parce qu'ils sont pas assez habillés. Bah ouais, mais j'y peux rien, les gars. À l'intérieur. Hein. Ah bah il arrive. Il arrive et va ranger les animaux à leur place. Je peux pas passer ça en priorité plus élevée. Ouais. Non. Vrai. Accéder. Oui, d'accord, mais. Non, je peux pas vraiment. Hein. Je peux rien faire de plus. Tant qu'ils font pas ce que je leur demande. Les moutons coucheront avec les vaches. Et puis c'est tout. Le problème, c'est que quand ils vont faire des bébés, il va y en avoir masse, quoi. Et ils ont de quoi y aller là, ouais, ils passent. Parce que là, je suis sûr, hein, je prévois des moutons. Ils vont tomber dedans. S'ils pouvaient aussi s'occuper de ça. Sais pas s'ils vont le faire. On va voir. Ah, bah le voilà!
On est content, hein. Tu fais quoi, toi? Ben ouais, faut rentrer. Allez. Hop. À la maison. Elle est où, la maison? Pff, à chaque fois, je me perds. C'est là. J'ai pas l'impression qu'ils aient non plus. Bizarre. Est-ce qu'il y aurait un problème sur cette structure? Me semble pas. De toute façon, on repartira chercher des poulets. C'est pareil, les poulets. À la limite, c'est plutôt les moutons que j'aurais laissés là et les vaches que j'aurais mis là. Ah! Si, quand même, ils font ça. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est bien de la construction, du coup. Pareil, il va falloir remplir. On va le faire ligne par ligne de toute façon. Ah. D'accord. Ils n'y arrivent pas. Ça picole encore, ok. Charbon, on va en avoir, on va retourner vendre du charbon et de l'argent et tout ce qu'on peut, hein. On va charger à bloc. On achète nos poulets. Pas encore de cochons, j'aurais bien aimé avoir des cochons aussi. Ah, le chien est là. Si le chien est là, le reste va pas tarder. Extraction. L'outil arrive à peine, il va bosser quoi. Extraction, ouais. T'as fait un sacré détour la chèvre. Ah oui, il faut que les chèvres. D'accord, c'est Marie qui va s'en occuper. Alors les gars, après faut boucher. Ça à boucher en priorité. Okay. D'accord. Il était en train de creuser, puis finalement il s'est dit que ce serait mieux d'aller faire à bouffer. D'accord. Ah, y a pas de problème. Edwin est déjà plus content. Il était tout vert quand il est parti. Il revient, il est plus vert. Le voyage ne lui a pas plu. Ah, nous avons. Le mal. Ok, une chèvre. Une femelle. Donc le mal. La mal, j'allais dire. La position dans la réserve. Ça, c'est pas malin. Qu'est-ce qu'il y a là ? Que t'ailles chercher aussi la vache mâle. Ah, ok. Ça, c'est fait. Ah, nickel. Donc on a tout là. Là on est bon. On est impeccable. Qu'est-ce qu'il y a à faire au cerf ? Dresse un animal. Ah bon ? Ah oui. Yeah. Et du coup, le chien. Chien. Je peux pas toujours pas dire qu'il appartient à quelqu'un. Est-ce que ça aurait été bien? Ni chat ni chien. Le chat, je peux même pas le mettre en contrôle de la vermine.
À quel moment il va appartenir à quelqu'un? C'est bizarre quand même. Ah oui, alors faut remplir ça. Terre. Est-ce qu'ils vont le faire? On va voir. Hein. Tous les trous qu'il y a à boucher, ils en ont rempli aucun. Je peux en douter. Quand même. Ouais, ça, ils ont rien fait. Là, ils ont pas avancé non plus. Au niveau de l'influence, j'en suis où? 34,5, quoi, ouais, ça monte tout doucement. Et les colons, ils arrivent vraiment au compte-gouttes. Les villageois souffrent du froid. Oui, mais les vêtements, vous pouvez les faire. Il y en a aussi dans les malles. Vous avez le droit d'allumer des feux. Bah, ils sont allumés de toute façon. Voilà, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un peu cocon, non? Hein? Un petit peu, quand même. Qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Ressources de construction. D'accord. Bon, déjà, elle fait ça. C'est déjà bien cool. Et ça... Pouette-pouette, on s'en fout. Alors, si moi, je l'annule. Et que je recommence. Non. Hop! Comme ça. Est-ce qu'elle va venir? Cool. Parce que moi, à la limite, non, il faut vraiment qu'il me bouge tous les trous. Allez, bonjour les colons et bonjour les animaux. Enfin, on en a. On va faire des bébés de toute façon, hein. Ça va aller assez vite. Enfin, je pense, j'en sais rien. Ce qui est assez. Non, pas toi, c'est lui le mal, hein. Ouais. Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout à quel moment il sera prêt. Bon, bah c'est bien. Toi, déjà, tu bouches les trous. Il y en a encore un là, hein, à boucher. Ma porte serait pas fermée. Parce qu'on peut imaginer. Non, normal. Il y a un trou là. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle s'en fout, mais royale. Ah. Ah non, il range. D'accord. Bon. Ben, s'il veut ranger, il range. Hein, si tu veux faire. Chat, je vais pas l'abattre, c'est quoi cette idiotie? C'est restante. Aujourd'hui, zéro. Ils ne peuvent pas approcher les portes, sauf si son idée à l'abus de corps. Mais ça, je suis d'accord. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'ils chassent la vermine pour le chat, par exemple. J'ai l'impression que là. C'est un fiasco. Je ne sais pas pourquoi. J'arrive pas à l'attribuer à quelqu'un. Je ne comprends pas. Voilà, de ce côté, les murs sont faits, ça c'est bien. Eh ben, il fait un temps de chiotte, c'est le jour 9 de l'automne, ça doit être pour ça. Non, mais ils avancent pas sur plein de trucs. Oui, bah ils s'habillent, ils vont à l'intérieur, ils arrêtent de se plaindre. Ça commence à bien faire, hein. Jamais content. Vraiment, jamais content. C'est fou quand même.
C'est foufou. Oui, comme j'ai dit, ils s'habillent et ils vont à l'intérieur, s'échauffer dans les maisons. Ouais, je sais pas rien, moi. C'est que l'automne, alors qu'est-ce que vous allez dire cet hiver, hein? Mon dieu, il va y avoir les tempêtes de grêle et tout. Oh là 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 là. Oh là là. Oh, récoltez tout ça, hein. Oh. Je crois qu'ils vont s'y mettre à récolter. Ou pas. Il va même falloir s'y mettre, hein. Faut récolter les choux, les gens. Parce que sinon on perd tout, alors là je serais pas contente du tout. Parce que là on est où? La potagère, là. Non, ils ont. Vraiment? Ils ont mis des betteraves à planter alors que. Ok. Bah d'accord, hein. Ok. Mmh. Bien, bien, bien. Ça, il fait 25 à l'intérieur. Excuse-moi, mais il fait pas 25 chez moi. Hein. C'est sûr qu'il y a une sacrée amplitude. Dehors, il fait 2,8. Et à l'intérieur, il fait 25. Quoi. T'es dans le feu? Ah, c'est une bonne solution pour se réchauffer, elle est dans le feu. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ah, mais je voudrais que tu bouges ce trou, bordel. S'il vous plaît, bouchez le trou. C'est juste un petit trou à boucher. Pourquoi ils veulent pas boucher le trou? Pourquoi ils veulent pas faire ce que je leur ai demandé depuis je ne sais combien d'épisodes que ça dure? Les villageois sont inactifs. J'ai du boulot pour toi. Jonathan. Viens boucher le trou. Non. Je vais péter un câble avec les colons, moi. Vous vous en rendez compte, quand même? Allez. Boucher le trou. Le trou, là. Il y a un trou. Là aussi, il y a des trous à boucher. Il y a des trous partout. Partout, il y a des trous. C'est vous qui les avez faits, c'est pas moi. C'est pas facile. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici, Marie? Du bois, vraiment? Ah non, elle va ranger. Bien. C'est bien. Ah, ils sont tous en train de se dire, allez, on va ranger. Vous préférez ranger que boucher des trous? Vous êtes bizarre quand même. C'est fou. C'est absolument fou. Fou dingue. Ok, Edgar, il fait de la confection, c'est plutôt une bonne chose. Il fait moins de. Déjà moins deux, ils vont plus. Ils vont arrêter de faire des bêtises en ce moment. Ça, c'est plutôt bien. Mais ça veut dire qu'il va falloir récolter. Parce que là, on va avoir un problème. Hein? Hein? On va avoir un problème. Ouh! Ouh! Allez. Bon. Bon, bon, bon. Bah d'accord. Hein. Faites comme vous voulez. Ils veulent pas boucher des trous. Ils veulent pas construire le mur correctement. Qu'est-ce que tu... C'est fait marrer. Ah, c'est de dresser le chien. Ouf. Ah, ben voilà. Alors, le chien. Et ben du coup, c'est à Marie. Parce que c'est elle qui l'a dressé. Il peut tout faire. Donc il reste plus que le chat à dresser. Nickel.
Est-ce que la chasse a été bonne? Est-ce qu'il y a de la viande pour les animaux? Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait de la viande pour les animaux. Ça, par contre, c'est problématique. Donc, il va falloir repartir à la chasse. On ne chasse que les matures, hein, on a dit. Bah, le loup, non, peut-être pas. Jeune. Jeune. Ah. Ah, ils sont tous jeunes, les cerfs. Ça m'embête quand même. Après, tu me diras, j'en ai d'autres. Hein. Allez. On va chasser les biches. Je suis désolée. Là, c'est embêtant, mais. Le loup, non. Et les sangliers, le problème des sangliers, c'est que c'est dangereux. Ah bah là, ça va être l'heure du dodo. On chassera demain. Bref, absolument qu'il y ait de la viande pour nourrir les animaux. Faut aller au dodo. Allez. Ah bah, elle va dormir avec son chien, Marion. Hop. Ouais, normal. Voilà. Putain. Bien, bien, bien. Eh bien allez, moi sur ce dodo des colons, je vais vous faire des bisous. Vous remercie encore d'avoir été là sur cet épisode. Et ben on verra la semaine prochaine comment on fonctionne, ça sera la surprise. Par contre, jeudi et vendredi, je continue sur Against the Storm. On verra si j'y arrive. Des bisous tout le monde, à bientôt!